Ok, bonjour et bienvenue, c'est Petit Shinoden. Aujourd'hui on se retrouve sur du Hearthstone. On va jouer un deck totem. Le deck totem, il est complet. C'est un deck totem grand tournoi de Maverick. Du coup, je crois il est sur internet. Si vous tapez ça là, vous devrez le trouver. Donc un deck chaman, bien évidemment. Et on va voir à peu près ce que ça donne. Non, je sais déjà ce que ça donne, mais on va voir ensemble ce que ça donne. On va voir si on est capable d'envoyer des wins de qualité ou si on va complètement se faire défoncer. Je sais qu'il est relativement bon contre les decks en gros late game, mais sinon après contre les decks early game, genre les Entar, genre de trucs, c'est quand même assez chaud. C'est assez chaud, ça dépend de ce que vous piochez en fait. Si vous piochez les bonnes cartes, c'est bon, sinon c'est la galère. Mais ça peut le faire. Donc là, on va juste virer cette carte au milieu, elle me sert à rien. J'ai quand même pas mal poncé le jeu. Enfin, poncé le jeu. J'ai quand même pas mal joué dernièrement à ce jeu. À Hearthstone, du coup. J'ai le temps de bien m'acclimater à tout. À tout ce jeu, on va dire. À toute la métagame, à toutes les cartes. Tout ce qui peut. Genre, quand t'arrives au tour 3 ou tour 4, tu sais qu'il y a ça qui peut arriver. Et je trouve ça très important. C'est ce qui fait que tu joues mieux en fait, à force de jouer, tu te dis, tu t'es plus prévoyant en fait, tout simplement. Tu vas prévoir à peu près ce qui peut te sortir et par exemple, rien que pour les secrets, si tu joues pas au jeu et que t'arrives comme ça, tu fais ok, bon, un secret, qu'est-ce que ça peut être? Tu sais, t'as aucune idée. Alors qu'en y jouant quand même un petit peu, tu commences à savoir à peu près ce que ça peut être un secret, enfin, quel secret ça peut être. Ah bah tiens, quand on parle de secret, un secret à 3, tu penses que c'est quoi? Une entité miroir directement dans la tronche? Du coup, si je short une rampante, attends, on va le frapper, on va voir. On va sortir une rampante. Ouais. Entité miroir, qu'est-ce que c'est? Il y a quoi déjà comme secret sur mage? Il y a entité miroir, il y a le truc du bouclier, il y a le truc de quand tu meurs, qui t'empêche de mourir justement. Ça, c'est un casino en face. C'est un mage casino, je sais pas du tout ce que c'est, mais je sais que c'est un mage casino, parce que je sais que cette carte-là, normalement, elle est que dans les mages casino. Ou un truc dans ce genre, du coup, voilà. Contre-sort, peut-être? Ah, si c'est un contre-sort, ça me fait bien chier, hein. Mais bon, ça m'étonnerait. Oh, c'est un contre-sort! Ah non, c'est pas un contre-sort. Ah non. Je connaissais pas ce secret. Attendez. Courbe-sort. Ah oui! Ah oui! Ah oui! Ah d'accord! Ah quand même! Ok. Fort bien. Ah, Courbesort, ok. Mais j'ai jamais capté que c'était une bestiole qui apparaissait avec Courbesort. Du coup, l'un dans l'autre, bah l'un dans l'autre, on fout. Hein. On va trade quand même comme des bois. Les 4 ans à jouer alors qu'il y avait Courbesort. Ah putain, ah ouais, je m'y attendais pas. Ah, je m'y attendais pas. Alors, il y a courbe sort, contre sort, entité miroir, le truc à 8, barrière de glace, et ce qui empêche de mourir, ça fait 5. Ah, et si, il joue la nouvelle extension, le coca. Il fait 4 nouvelles. 5 sorts possibles. Ouais, c'est sympa. 3, 2, il meurt au prochain tour. Ça, je peux le poser là, comme ça. Est-ce que je le pose tout de suite? Ça met une pression, ça l'oblige à devoir le gérer. En plus, c'est une 6. Une 6-3. Ouais, et puis de toute façon, j'ai de quoi gérer un gros truc qui arrive. Dans tous les cas. Dans tous les cas, buddy, on est bien. On devrait pouvoir bien le faire. D'ailleurs, faut que je vous dise. Je pense que vous l'avez remarqué tout seul. J'ai changé. Ah putain, 6 de dégâts, j'ai oublié cette carte. Fuck! Pas grave. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai changé le nom de la chaîne. Changé le nom de la chaîne pour. Parce que comme ça, c'est maintenant plus représentatif de ce que je fais vraiment. C'est-à-dire que je fais moins de Minecraft et je fais à peu près autre chose. Du coup, c'est mieux. Bah, c'est pas grave! On s'est fait défoncer notre. Comment il s'appelle? Comment tu t'appelles? Coquinou, comment tu t'appelles? Bon, lui là. Notre vaillant, il s'est fait défoncer, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que voilà. Oh là, mais t'es sérieux, Murray? Ok, bon, c'est pas grave. On s'est tout fait défoncer, mais c'est pas grave. Prochain tour. Il est chiant cet adversaire. Il me fatigue. Je suis fatigué.
Exhausted. Voilà. Voilà. Arrêtez de me les casser maintenant. Hein. Ok, prochain tour, ça va envoyer du pâté. Moi, je te le dis. Est-ce que tu penses qu'il le trade? Mais regarde, il a que des trucs qui font 6 de dégâts. Ça fait 3 trucs comme ça que je vais me prendre à la tronche. Bon, alors, qu'est-ce que c'est? Entité miroir, je suis dans la merde. Entité miroir. Si je joue ça, je piège pas tout de suite. Bon, on va voir. Ouais, je pourrais le trade de toute façon. Entité miroir. Tu me prends pour un ouf ou quoi, Marie? Tu me prends pour un ouf ou quoi, Marie? Attends, oh, on va se calmer, hein. Voilà, un truc pour soigner. Bon, un taunt, c'est bien aussi. Ok, on est bien. On est très très bien. Prochain tour. Oh putain. Ah, oh, ça envoyait des pâtés. Prochain tour. Lui, on le met là. Lui, on le met au milieu. Attends, non, je ne joue pas à 9. Bon, je joue à 8. Ok, alors lui va décéder. Nouvelle acquisition. Bah lui, je vais le trade hein, directement. Regarde. On va le trade. Hop. Et on va aller taper à 4. 5, pardon. On va taper à 10 là. Hop là. S'il a un flame strike, je suis pas mort. S'il a. Qu'est-ce qu'il veut? J'ai rien à foutre, je suis pas mort. Non, là, je suis bien. Je suis super bien. Je vais le défoncer. Je l'ai défoncé. Là, c'est gagné normalement. À moins qu'il ait... Oh. Oh, il a pioché ça. Bon, il a pas de flame strike. Il a perdu. Tu gères comment, ça? J'aime pas cette carte. Je la trouve très forte, cette carte. Portail instable. Elle fait tellement de café. Allez, on taunte un peu. Hein, parce que bon... Bon voilà quoi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, t'as envie de te dire, bon faut arrêter de déconner, hop, 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 boum. Bah voilà, ça poutre quand même ce deck il poutre, alors attends. J'ai remarqué aussi actuellement avec la sortie de la nouvelle extension les aventuriers de je ne sais plus où, certainement pas du Survivor, mais j'ai remarqué qu'avec cette nouvelle extension il y a plus de chamans. Ouais, un petit peu plus de chamans. Il y a de ça une semaine quand on jouait avec ce deck, bon il était pas encore complet, mais quand je jouais avec ce deck, je croisais aucun chaman. Et là aujourd'hui par exemple j'ai joué toute la journée, une bonne partie de la journée. Et j'ai croisé la blinde de chaman, ça m'a fortement étonné. Mais bon. Et hier soir aussi. Alors si c'est un prêtre dragon, je vais me faire défoncer. Parce que j'ai remarqué que contre les prêtres dragons, bon, ça galère. Ou alors c'est moi qui joue mal ou qui n'ai pas les bonnes pioches, mais en général c'était la grosse galère. Du coup. Sans vire. Et tout le reste on garde. Parce qu'un petit trempante c'est bien, ça fait un petit contrôle de board. Et lui, oh là, lui, le totem est génial. Ce totem, il fait tellement mal. Il est tellement gros, il est tellement imposant. Comment il peut le gérer en tant que prêtre? Ouais, il y a une carte qui permet de le gérer. Est-ce qu'elle coûte 2? Je crois qu'elle coûte 3, mais je suis pas sûr. Ce qui tue les cartes de 3, 3 ou moins. Mais ça, après, c'est pas sûr qu'il est, tu vois. Donc bon, l'un dans l'autre, voilà. L'un dans l'autre, boum. On rentre dans le tas. Le problème de ce totem, c'est que quand tu joues avec pièces, t'as jamais de tour 2. C'est ça qui est chiant. C'est-à-dire que si tu joues en tour 1, bah t'as pas de tour 2. Tu vois, avec la surcharge, c'est un peu chiant. Mais bon, c'est pas forcément... Ah bah tiens, parfait. Tour 3, perfect. Et au prochain tour, au tour 4, oh c'est bien ça, heal. Prochain tour, tour 4, grave totem. Grave totem, Murray. Et là... On aura une... comment on l'appelle? Une 6-6. Une 6-6, quoi. Au tour 4. Ou alors des déchiqueteurs pilotés. Ok, ça trade. Non, non, ben non, on dirait que 6-6. Hein. Y a pas à chipoter. J'aime les éléments, mais j'adore les totems. C'est-à-dire que bon, là, s'il fait rien...
Il va se prendre une branlée, mais monumentale. Mais c'est bizarre qu'il ait rien joué depuis tout à l'heure, donc je me méfie un peu. J'ai deux silence dans la main. Voilà, bon, au niveau de l'ombre, ça coûte 3. Ok. J'ai un maléfice. Je peux jouer. Est-ce que je jouerais pas ça, tu vois? Non, déchiqueteur piloté, c'est. C'est se la jouer safe. C'est se la jouer safe au cas où. Au cas où l'adversaire décide de. Je sais pas, de. Par exemple, il a quoi en prêtre? Nova? Ouais, Nova à 2. Bon, ça les tue pas. Yeti, ok, je peux le contrôler. Y'a pas de problème, ouais. Quelqu'un est blessé. Ok, je peux tout contrôler. Je peux tout contrôler. Alors. Hop. Petit Yeti. Qui disparaît. Ouais. Non, bah non, tu me diras si je suis là. Attends, regarde, j'ai une idée. Là, j'aurais bien aimé avoir un totem qui soigne mes autres bestioles. Comme ça, tu vois, j'aurais nullifié la perte, l'attaque sur la voilà, Nova. Oh, c'est quoi? Ah non, c'est un peu de la merde. Oh, c'est pas grave. L'adversaire est quand même dans... Il a l'air quand même dans un sacré pétrin. C'est pas celui que je veux à chaque fois, ça m'énerve. Hein. Bon, c'est pas grave. Là, il y a... 7-7. Voilà. Bonjour. Vous trouvez ça drôle ? Je m'appelle... Grave Totem. Grave. Alors là, ça m'a envoyé du pâté. Hop. C'est comme si j'avais perdu 0 points de vie en plus. Bon, tu me diras, on est au tour 8. Hein. On est au tour 8 et j'ai toujours pas... Faut pas chercher longue défense. J'ai toujours pas fait de dégâts plus que ça. C'est louche hein, quand même qu'il pose pas beaucoup de cartes comme ça. Hein. Soit qu'il a une sortie à crever. Alors 6. J'ai 5 cartes. Ouais, gros. Regarde. Hop. 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 9. Ok, prochain tour, t'es mort. Prochain tour, si tu ne fais rien, mon ami. Comment tu t'appelles d'ailleurs? Fifik, t'es mort. T'entends, Fifik? Il faut que tu te ressaisisses. Tu ne peux pas continuer comme ça. 5 points de dégâts, rang 5. Ok, bon, tu meurs quand même. Hein. Parce que là, j'ai. Ah non, j'ai pas assez. Dommage. Je peux le contrôler encore une fois. Ah bah non. Salutations. C'est win. Aïe aïe aïe. Totalement. Hop, on va face. Two. Ah, c'est merde, il manque un point. On va le taunt. Bon non, on a pas que ça à foutre. Hein. On va pas le taunt quand même. Vous trouvez ça drôle ? Elle a le misclick. Elle s'est perdue. Voilà. Ouais, je sais pas, il a une sortie minable en face. Ou alors c'était pas un vrai deck qui jouait, je sais pas. C'est vraiment bizarre. Vraiment très bizarre. Bah voilà, ça se met bien. Allez, on va en faire une dernière ou pas? Ah, une dernière. Hop, une dernière. Tu vois, ça va bien le mettre. On va bien se mettre. Bon, vous voyez qu'il y a l'heure en bas à gauche. Ah tiens, d'ailleurs, si vous voulez jouer contre moi et me défoncer, il y a le battle tag ici. Teva, hashtag 2211. Enfin, dièse 2211. Un hashtag déformation de Twitter, Twitter au professionnel. Ok, Mourlèche. Est-ce que j'ai la pièce? J'ai pas la pièce. Ok, je peux pas jouer alors. Parce que j'ai pas de tour 1 sur cette, sur ce deck. Non, il n'y a pas de. En général, il n'y a pas besoin de trop d'AOE, de dégâts de zone contre mage, il me semble pas. Quoi qu'un mage freeze, si.
Tu parais combien que c'est un match free au dos de son carte à son dos de carte. À son dos de carte, je te dis c'est un match free. Regarde, on est feu contre bleu contre rouge, hein, bien sûr. Tortank contre Dracaufeu. Qui de nous deux va gagner? Et là, il sort quoi? Un jour, je serai comme vous. Ok, bon, là, c'est un peu aléatoire, on sait pas trop. Non, c'est pas match freeze. Je sais pas trop ce que c'est alors. Ah, c'est chiant, il me le tue quand même. Il coûte combien sa carte? 2. Ok, bon, merci. J'aurais peut-être essayé de faire totem. Non, mais ça ferait contrôler quand même. Parce que ce qui aurait pu être intéressant, c'est faire un totem qui booste la magie, tu vois. Pour aller le tuer avec ça. Mais c'est compliqué. Ok, ça c'est vraiment la merde déjà. Il va face, bien évidemment. Qu'est-ce que tu fais? Oh, sérieux? Tout sur moi. Magnifique. Tu vois, il suffit de demander. Et le jeu, vu qu'il est compréhensif, il fait bon, ok, tout sur toi. Bon, c'est chiant parce que je perds quand même un monstre pour rien, quoi. C'est vraiment chiant. Mais bon, si tu regardes par exemple au niveau du lead, ah putain, j'aurais dû garder là-haut. Hein. Bon, c'est pas grave. Au niveau du lead, au niveau du card advantage, il a 5 cartes et j'en ai 5 aussi. 6. Attends, j'ai ce que. Non, bah non, 5 aussi, parce que maintenant il vient de m'en tuer une. Non, bah non, c'est la merde. Celle-là sera 5-5. Il faudrait tout son board pour le contrôle. Je peux silence au prochain tour. Je peux silence et tuer là. Et je pose un. Ouais, on va faire ça. Silence, tuer, totem, fin du tour. Je sais pas si c'était le mieux à faire. Parce que du coup. Ah, deuxième. Ok, est-ce qu'il a un sort ? 2-2, ouais, d'accord. Il me face, hein, le man. Ok. Pour une 5-5. Allez, on prend. Faut que j'arrive à. Faut que je contrôle le plus vite possible. Parce que là, ça commence à. Tu vois, j'ai la game comme ça dans les mains. Et là, elle commence à partir en couille. Donc ça va pas. Ok, il tape à 3. Je pense qu'il va face. À moins qu'il ait un autre sort à lancer. Oh non. Gauche. Ok. Tu vois, il suffit de demander. Et le jeu dans sa. Toute grandeur. Ok, on a contrôle. Attends, c'est à mon tour de défoncer la gueule. Parce que là, ça va mal. Hein. C'est-à-dire que vous voyez, en early game, je suis vraiment très faible. Je me fais défoncer. Bah alors, dès qu'on commence à atteindre le late game, si je suis pas mort, bien sûr, entre temps. Ah, c'est un match freeze. Enfin, c'est chiant, Mage. En fait, c'est pas que c'est chiant. C'est que c'est frustrant de jouer contre Mage, tu vois. Le man, il arrive comme ça. Hop là, il te gèle tous tes trucs. Hop là, il fait ça. Hop là, il fait ci. C'est chiant. Mec. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est le jeu. Mais c'est vrai que je trouve que jouer contre Mage, c'est peut-être le. Ah oh, non, j'ai oublié. Ok. Du coup. Ouais, ça met une pression, ça me permet d'avoir un taunt. C'est pas forcément nécessaire sur ce tour, mais bon. Voilà. J'ai un maléfice qui me permettra de contrôler n'importe quelle carte qui sort. Tu vois, s'il me sort un gros ton là, bah le gros ton, je prends ma canne à pêche et je le sors de l'eau, tu vois. Direct. Ah oui, c'est vrai que c'est mage. Ah, je suis dit mage, c'est frustrant de jouer contre mage. Bon, il n'y a pas de fire encore. Boule de feu, fait chier. C'est pas grave, ça l'oblige à contrôle. Ah, deux taunts, d'accord. C'est chiant ça. J'ai envie un petit. Ouais, bon, maléfice, ok. Bon, bah, moi j'ai deux maléfices en main. Je peux jouer à. Je peux tout jouer. Ok. Ok, alors là, si j'avais un sort, mon gars. Si j'ai un sort, mon gars. Ça va l'envoyer au paradis, 7ème ciel direct. Tu vois, les rideaux, il n'aura pas le temps de les grimper, il passera à travers la fenêtre. Alors, au moins, on a Execo. Il faut pas qu'il y ait. Bon, Alexstrasza. Comment Alexstrasza, qu'est-ce que tu veux.
Si, attends, ça... Non. Non, c'est les prêtres qui ont l'extrasa en général. C'est pas les mages. Parce que je perds tout le temps contre l'extrasa. Dès que je t'envoie un, je perds. C'est chiant. Là, tour 9. Normalement, il y a un truc qui fait 10 de dégâts. Ça peut faire mal aux fesses. C'est quoi ça, à chaque fois que vous lancez un sort? Ok, il me gêne. Celui de gauche, complètement, je suppose. Ah, il me gêne moi? Oh, attends. Je suis là pour apprendre. Oh, il face. Ok, prochain tour, je suis mort s'il a la carte que je pense qu'il a. S'il a la carte que je pense qu'il a. Ou alors, attends. Peut-être que j'ai l'étal. 2, 8, 10, 15. Oh, j'ai l'étal. Oh, j'ai l'étal. Ok. Que faire ? J'ai l'étal, buddy. Oh, j'ai l'étal. Oh là là, j'y croyais pas. Je pense qu'il avait la carte pour me tuer. Allez. Magnifique cette vidéo, c'est pas magnifique. 3 victoires de suite, on passe rang 15. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est magnifique. Magnifique. Bon voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Surtout, je vous dis à plus, à bientôt et portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo. Allez, salut!